Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre empire de Normandie avec l'empereur Turold. L'empereur Turold, qui est héritier du titre de Tarragone. Ça me fait une belle jambe, je sais même pas où c'est. C'est pas grave, il a déjà beaucoup de titres de toute façon. Alors, du coup. Alors, des petites choses à faire. On va profiter que le monsieur qui est là est en prison. On va lui soustraire des vassaux. Donc on va lui soustraire la comtesse de Clidesdal, parce qu'il n'a rien à faire avec lecture. Ouais, je rachète des prisonniers. J'ai invité quelques personnes à la cour. Des normands, voilà, donc il accepte, il a pas le choix de toute façon. Les vassaux vont pas être trop contents, mais bon, ça va. Alors du coup, c'est elle. Donc elle a deux titres. Elle est à la fois sur un duché et sur un autre. Pour le moment, je vais la garder directement sous moi. On verra à ce moment-là. Ce sera peut-être une double duchesse si on récupère tout ça. Mais en tout cas, voilà, au moins elle est plus sous sa coupe à lui, le duc de York. Il y avait aussi... Alors, je dois récupérer d'autres vassaux. Alors, le comte de Brie aussi, il n'a rien à faire sous sa coupe à lui. Et enfin, il y en a un autre. Peut-être que celui-là, le comte de Lex, si, normalement le comte de Lex, je peux lui enlever aussi. Ah, la salle, le comte de Lex, voilà. Le vice-roi usurpatif de la baronnie et du comté de Saragosse. Parfait, ça veut dire qu'il a gagné sa guerre. Et voilà, on a récupéré Saragosse, ça c'est cool. Ça c'est super cool. On peut usurper le duché de l'Aragon, ben, on va le faire avec grand plaisir. On va lui donner à lui. Attendez, qu'est-ce qu'il est héritier? Le duché de Valence. Alors, ce duché de Valence, deux jure. Ok, applicable. Ça. Comté de 4K. Ouais. C'est le duché d'Aragon. C'est le duché que je viens d'avoir, hein, donc c'est ça. Ouais, écoutez, si, on va lui donner. Hein. Enfin, je peux peut-être pas d'ailleurs. Révoquer un titre, accorder un titre foncier, si. Le duché d'Aragon, incluant tous les titres. Tac. Donc il a le duché d'Aragon. Voilà, de jure, c'est ça. Et là, c'est ça, ce qui lui donnera un claim pour récupérer ça plus tard. Impeccable. Impeccable. Ouais, du coup, Aragon, c'est plus grand chose. Hein. Non, c'est plus grand chose. Ensuite, oui, alors dans les titres, dans les vassaux que j'ai récupérés là, donc Lex là qui est là. Donc, je suis désolé, hein, c'est un petit peu de la manutention. Le duché de Leinster. Ok, donc le duché de Leinster, on ne l'a pas pour le moment. On va bientôt le récupérer. On va bientôt le récupérer. Je pense que du coup, ça doit nous donner d'ailleurs une revendication de jure sur le duché de Leinster. Ouais, bah, impeccable. On va pouvoir récupérer ça. Ça aussi, mais plutôt ça. On va pas le faire tout de suite parce que, remarquez, si je déclare la guerre, tiens, c'est bizarre que il y a personne qui le rejoint. Y a pas quelque chose contre moi. Pacte chrétien. C'est bizarre. Bon, je vais quand même attendre un petit peu, hein, il va pas durer très longtemps. Et enfin, j'avais aussi un autre duc, en profiter. Hein.
De temps en temps, je suis bien obligé, je suis désolé de faire un peu de tri comme ça. Alors, le duc de Somerset. Donc lui aussi, il a des vassaux. Alors ça me fait des malus, hein, de moins 5 qui se cumulent, mais bon, tant pis. De R.R. Ford et de Cumberland, ils ont rien à faire sous sa coupe. Bon, dans 5 ans, ce sera passé tout ça. Alors oui, j'ai un... Pardon, oui, je l'ai fait en off, ça. J'ai rajouté des personnes à ma... Où va ça le soustraire moins 15, ouais, je vais être à moins 25 quand même. Bon, faut que je fasse un peu gaffe, mais bon, ça devrait aller. Oui, donc du coup, j'ai mis des gens qui m'aiment bien et j'ai voté la souveraineté du dirigeant pour la révocation des titres. J'ai plus besoin du conseil. Les paysans, ouais, on va soutenir la tradition. Ensuite, voilà, et on va lui soustraire un dernier vassal. Ouais, j'ai récupéré des vassaux, je suis hors de... j'ai dépassé ma limite, hein, mais pas pour longtemps normalement. Pas pour longtemps. Donc, c'est où déjà? C'est de. Hereford et. Hereford. Le comté de Hereford, il est là. Donc, le comté d'Hereford, il appartient au duché de Warwick. Parfait. Tiens-toi. Transférer leur salle. Hereford. Tac. Voilà, ça m'en refait moins 1 et je vais en avoir encore un de moins normalement. C'est Cumberland. Cumberland, ça c'est pareil. Le comté de Cumberland de Jure, il appartient au déchet de Cumbrie. Et voilà. On le transfère le vassal. Voilà, on revient pile au nombre. Bon, ça va certainement faire quelques factions, parce qu'il y a des gens qui vont pas trop trop nous aimer. Ouais, bah, ça te soustrait moins 25, hein. Faut que je fasse gaffe quand même, j'ai diminué le pouvoir du conseil. Bon, voilà. Faut que je fasse attention quand même. Hein. D'ailleurs, ça, on peut investir. Parfait, on va faire de la coutume populaire pour que l'on soit mieux apprécié. Ou alors j'attends. Qu'est-ce que ça me donnerait, Majesté Administration Impériale? Ah, c'est peut-être bien de l'avoir, ça, quand même. Tolérance, non. Alors là, on peut faire soit la construction, pratique commerciale et donjons améliorés, infrastructure religieuse, quartier de la milice, vieille ville-église, milice urbaine, université 2, camp milicien 4, les nobles. On va prendre les infrastructures citadines, on est un peu en retard. Et ensuite, je voudrais investir, mais je pense que j'ai pas encore assez. Ouais, je voudrais améliorer la grande maison de malade au niveau 2 quand même. C'est pour très bientôt. Donc on fait des revendications sur ça. Ça c'est ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour le moment. Ah si, il y a quelque chose que je voulais faire. Punaise, j'ai oublié. Ouais, lui, si je voulais lui déclarer la guerre pour revendiquer Barcelone... Non, je sais plus, il y avait quelque chose que je voulais faire. Je voulais excommunier un personnage pour tester un truc, mais... je sais plus. Je vais être honnête, je ne sais plus. Petit à petit, on va l'écraser. Faut regarder l'Écosse, parce que le roi d'Écosse aussi, qui est à la fois roi d'Écosse, roi de Norvège, il doit être quand même assez puissant. Alors, moins que moi, hein, clairement... Ça va, ça va. Bah, pareil, hein, contre lui, j'ai dû, je dois avoir des... Enfin, pas mal de revendications. Bah, le tyran, notamment. J'en ai pas tant que ça. Hein. Propriétés sont toutes de jure de la salle de chez moi. Le comté qui est là. Ah, ça veut dire qu'il y a des trucs qui ne sont pas à moi là-dedans. Ah oui, la baronnie qui est là, ouais. C'est pas à moi. Ah ah! Intéressant, effectivement. À savoir. Ouais, bon, vous voyez, j'ai encore. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai ça. Mais si je l'attaque lui. Attendez, si j'attaque par exemple. Bah, l'Écosse, tiens. La justice est une maîtresse impossible à satisfaire, je ne l'aime plus. On n'a plus le sens de la justice. Si je l'attaque.
Ouais, c'est bizarre, il n'y a pas de... C'est votre nom, ça je m'en fous. Je vous supplie de m'envoyer dans un autre comté à cause de ces abrutis à Mortain, j'ai déjà perdu un membre. Énorme. Mutilé, blessure grave. Ouais, bah écoutez, ça va être un de mes parents, un comte ville qui va récupérer ça. Bah moi ça me va. C'est qui meurt, hein. Je pense. Enfin, nous verrons, mais. Un saint a trépassé. Donc, normalement, alors à peu près, hein, en tout cas, maintenant, lui, son duché de York, de Jure, c'est ça. Et maintenant, ouais, c'est ça. Mais je peux pas lui enlever ça. Parce que je sais pas pourquoi je... Ah oui, parce que lui il est double compte, il est à la fois de Hull qui est chez lui et Chartres qui est là, donc on peut pas lui enlever. C'est comme ça. Ma femme est enceinte, décidément. On va peut-être changer d'intérêt hein, quand même. Popularité, l'intrigue. Ouais, on est quand même pas. Il est quand même pas terrible le personnage. L'évêque a usurpé, qui apporte. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va partir sur l'érudition, tiens. Ça va nous booster, puis on va voir. Travail à Powys a porté ses fruits. Allez, on va aller plus en avant dans cette revendication. Parfait. On va maintenant l'envoyer ici. Oui, on a plus de maréchal, du coup. Alors, on va prendre qui? On a plus de chaplain. On va prendre lui. Parfait. Améliore ça, une forme de quoi nécessaire. Oui, j'avais fait un complot aussi pour révoquer le comte d'Evreux, c'est 1080%. On va lui proposer, il ne veut pas. Bah, il va pas aller loin. Ah, ouais, bon, attention quand même. Cela dit, il va quand même pas aller loin. Je vais ranger les troupes, quand même, de là. Ce serait dommage. Un peu à la... un peu YOLO comme on dit. Ouais. Allez. Un peu de renfort. Oh putain, il est efficace lui. J'ai plus de maître espion. Alors on a qui en maître espion? On a lui qui nous aime bien. On va prendre le vice-roi d'Aquitaine. Il va l'avoir avec nous. Contre nous. Allez, on va faire le siège d'Evreux et puis ça va être bon. Ah, ça c'est pour essayer de récupérer un petit peu plus de territoire hein, que je fais ça, donc... j'ai également, je sais plus si je l'ai fait devant vous ou pas, je crois pas, j'ai également donné le... J'avais le duché de Toulouse qui était en dessous de moi, je l'ai redonné du coup à lui, enfin pour que ça revienne dans le royaume d'Aquitaine qui existe. Comme ça, j'ai pas besoin d'avoir à gérer ça, quoi. Bon alors clairement le Berry, ouais, il devrait pas être là-dessous. Pourquoi le Berry y est? Ah, comtesse d'Almansa. Ah, c'est peut-être ça. Ouais, c'est chiant, les gens qui ont deux comtés comme ça à l'autre bout, c'est un peu problématique. Mais j'ai pas vraiment de solution. Le vice-roi de Valence, maintenant que le vice-roi d'Aquitaine tente actuellement de pouvoir ses villes d'hérésie. Il a quoi comme titre lui? Les ducs d'Auvergne, tiens. Voyons voir. Oh non, rien de bien spécial. C'est moi qui lui donnais, oui, c'est vrai. Il
rejoindra pas de faction comme ça. Allez. Confronté au grand nombre de preuves, il a juré de renouveler sa loyauté et rester en dehors de toutes les factions. Parfait. Au cas où. Bon, vous voyez, il n'y en a plus grand monde dans la faction qu'on voit. Alors si, on a celle-là. Elle, il faut que je tente de l'influencer absolument. La duchesse de Norfolk, princesse d'Irlande. Mais on a encore un fils qui s'appellera Blaise. On est le débonnaire, tiens, l'empereur. Le débonnaire. On a une belle armée en tout cas. Je me demande si on en a même pas plus que le Kaiser. Si ça se joue à pas grand chose, hein, mais on en a un peu plus. Parfait. Voilà, maintenant on va pouvoir lui tomber dessus ici. Pour histoire de faire encore un peu plus mal. Comptez heureux. Voilà, allez, hop, terminé. Plus personne. On pourrait emprisonner elle. Ah, bah ce serait bien ça! Parfait, on a réussi en plus. Est-ce qu'on peut lui révoquer un titre? C'est parfait ça. Alors voyons voir. Attendez, le comté de Northumberland, c'est ça, ça lui appartient. Mais elle a également le comté d'Oxford et le duché. Alors, déjà je vais lui enlever le duché. Est-ce que je peux lui enlever d'autres? Ah non, c'est là où on est. Ouais. Bref, c'est pas grave. Donc le duché qui est là. Tiens toi, tu vas devenir mon duc. Parfait. Bah il a Oxford en plus, bah oui parce qu'il y a elle quoi. Alors après je pourrais lui soustraire hein. Ah bah non je peux pas. Parce qu'elle a elle est double compte, c'est ça. Donc, je peux pas. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, fille du diable. Ah elle a ici la bannière de la rébellion. On va s'en occuper juste après. Pas de soucis, ça me permet de nettoyer au passage un petit peu. Hein. On a le duc de Lancastre. 80% de chance. On n'a pas réussi. Allez, re-rébellion. C'est pas grave non plus. Tant qu'on y est, hein. Oula, vous savez. Ça me fait pas peur. Au moins, ça nous occupe, il se passe des choses. Ouais, c'est vrai, je voulais lancer l'assaut, je l'ai pas fait, c'est pas grave. Notre parent, tu seras religion. Allez hop. Offrir la paix à plus d'exigence. Oui, voilà, on a récupéré le comté d'Évreux. Le comté qui est là, je m'en fous, je vais le donner à quelqu'un de ma cour. Viens, bats-toi. Allez, le comté de Senlis, tout ce qui est en dessous, voilà. Le comté de Senlis, c'est le duché de Paris. Et ben voilà, parfait. Tiens, voilà, j'aime quand c'est propre, vous l'aurez remarqué. Hein. C'est mon petit plaisir ça. Bah non mais c'est vrai que c'est bien quand on fait des trucs comme ça. Hop. Est-ce que j'ai... Non j'ai pas assez de sous pour améliorer mon hôpital. C'est pas grave. Le vice-roi a révoqué le duché de Metz du comte. Bon, il a dû le récupérer. Alors il a le duché Munster, de Munster, pardon, le jure c'est ça. Ouais, c'est de là. Le
flap. Hein. Ces deux-là, il ne les a pas. Alors. Ouais, l'autre il a. Pff, ouais, putain, lui il me saoule. Hein. Ça, eux ils me saoulent hein, vraiment avec leur, leur milliard de titres un peu partout. On va aller tomber sur tous ces petits rebelles qui sont par là. On va aller à York. La princesse qui est notre fille. Et bah notre fille, Martial, ouais mais non, bah, on va la mettre en humilité, allez. Qui c'est encore hein, baron, le baron d'Argentan. Les comtes de Saumur, ah oui il a poussé. Ouais. Oh bah lui on verra plus tard. Hein. Important. Notre autre fille du coup parce que c'est des jumelles, tu feras l'économie toi. Sur tout ce petit monde, on va leur faire très très mal. On passe pas comme ça à l'empereur. Prince mère de la Hanse, patricien de Von Hainbach qui veut se marier avec ma parente. Bien sûr, pour une si noble dame, nous offrons une dot de 206. Putain, c'est vrai qu'elle est bien elle. Hein. Non, on va peut-être faudrait la marier avec quelqu'un de ma cour pour gagner des de super enfants. Tiens, à ma cour, homme. On va réinitialiser les filtres. On va prendre homme, marié, non. Qui c'est qu'on aurait qui serait pas trop trop mal. Lui, il est pas mal. Arranger un mariage avec elle, matrilinéaire. On va dire qu'à eux deux, bon, ils peuvent peut-être faire quelques enfants sympas. M'inquiète un peu pour ma femme est inette. Manger autant ne peut pas être bon de sa santé, elle commence à avoir du ventre, elle ne sent pas loin d'avoir un double menton. On va lui demander de manger moins. Elle a suivi mon conseil et voilà, gagne de la piété. On peut demander à la princesse Joanna de passer plus de temps avec moi. C'est pas contre elle que je suis en guerre. Ouais, elle est dans la guerre contre moi. Elle. Ouais, on va te faire foutre. Voilà. On peut renommer. Un commandant, et ben on va prendre lui. Bienvenue, hop, on remet lecture. Bon, on pourra bientôt déclencher une guerre aussi. Le vice-roi d'Aquitaine a forgé une alliance avec le vice-roi d'Irlande. J'aime pas trop ça quand même. Ma femme s'est laissée aller ces derniers temps, j'ai un petit gracieux délicat pour essayer une gloutonne. Elle recommence. On va la prévenir aussi poliment que possible. Elle me saoule, hein. on va attaquer. Oula. Malheureusement, mes mots ne semblent pas avoir été entendus. Maître espion, on va prendre elle. Le vice-roi a forgé une alliance avec le vice. Ah ouais, ils sont comme ça eux. Ils forgent des alliances comme ça. J'ai remarqué l'état déplorable de mon fils Turol, donc venir tout de suite le physicien bien sûr. Je
d'Aquitaine, donc le personnage qui est là est mort de complications suite à la goutte. Alors, là le royaume d'Aquitaine. Et du coup, lui, il est duc de Toulouse, il est héritier de 10 milliards de trucs. Picardie de Tanger. Oh la vache. C'est qui le duché de Tanger d'ailleurs, tiens. C'est pas elle qui a joué qui pas d'enfant quoi. Il a 16 ans, elle a 25 ans. Pourtant ils sont en partage salique, mais sans enfant, bah ça peut pas se dispatcher quoi. Ça peut pas se dispatcher tout ça. Bon, donc, on en était où ? Royaume d'Aquitaine. La duchesse d'Auvergne. Et ben on va lui donner à elle. Ouais, elle est peut-être jeune. Hein. Ouais, non, non. C'est pas une bonne idée. Je vais le garder pour le moment. On va garder le royaume d'Aquitaine. On va lever quelques troupes ici pour éradiquer si possible. On se calme dans les clics. Ah bah y'a pas grand monde là. Allez hop, on va regrouper tout ce petit monde par là. Ça avance plus trop dans les progrès culturels. Combien il me faudrait pour pouvoir débloquer ça? 490 sur 500! Oh les boules! Il faut que j'envoie mon maître espion étudier une technologie et tu vas me faire ça à la papoter par exemple. Parce que du coup, c'est quoi ces progrès culturels? Je sais pas moi, je voudrais bien le faire ailleurs, mais je sais même pas si ça marchera quoi. Si je le fais à Évreux par exemple, ça change quelque chose ou pas? Ah oui, ça travaille à Évreux. Bon, on va bientôt pouvoir le récupérer. Ça va être une bonne nouvelle. Voilà, on va leur couper dessus. On va plutôt aller là, tiens. Parce que lui, le duché de Lancastre, ouais, c'est celui-là. Donc, statique avec les armées, là. Ma parente Eria. Ah ouais, non, mais elle est trop bien, elle aussi, en fait. On va refuser. Et elle. Je la marie à quelqu'un de ma cour aussi. Super, ça aurait pu être pas mal. Ah, 57 ans, ils sont assez vieux. Hein. Ils sont assez vieux. Qui c'est que monde on pourrait inviter? Homme. Joindre cour, oui. Marié, non. Au moins mon groupe culturel. S'ils sont pas normands, c'est pas grave. Ah bah lui il est pas mal hein. On va la marier avec lui. Mariage. Toujours matrimonière, ça fera des comptes villes. Et voilà. Super, ça y est. Majesté, on l'a. On va le faire. Ah là ça va devenir sympa parce que normalement je vais pouvoir passer en impérial, c'est ça? Ah, là tout de suite non, mais là tout est bloqué, mais sinon je pourrais le faire, ouais. La vocation des titres de duché vice-royaux est libre. J'espère que je me suis pas planté en fait, c'était peut-être autre chose que je voulais, non?
Non, c'est ça, c'est une fois qu'il y a ça, je crois qu'on peut mettre en... en externe les guerres des vassaux, on peut les... Ouais, c'est ça. Non, c'est bien ça que je voulais. Parfait. Bon, les sièges continuent. Ma femme est enceinte, décidément. C'est incroyable. Alors, la princesse Agnès n'a pas d'éducation, enfin d'intérêt d'éducation. Bon, on va prendre ça. Et alors là, notre fils... Ça n'est pas top top à son âge, hein. On va faire de l'économie, mais... Je le sens que très moyennement, et on va améliorer l'hôpital. Voilà, ça y est, j'ai les sous-cours, on en profite. Alors, on attend que le siège soit fini, puis je vais redescendre sur lui. Royaume d'Irlande. Deux jours c'est ça, aujourd'hui c'est ça. Ah bah c'est compliqué hein. Ça en fait du monde qui est sous la coupe de l'autre là. Ouais. Connect, on va lui accorder ce titre Royaume d'Irlande. Voilà. Et c'est bon. Je vais prendre un meilleur intendant, par contre, c'est vrai que l'évêque n'est pas terrible, je l'avais pris temporairement. Ou lui, là, pourquoi pas. Allez, voilà, tiens, on va te prendre toi parce que t'es un vassal puissant. Allez, vitesse 4, on accélère tout ça. Il me manque un conseiller, et ben on va prendre lui, tiens. Allez, hop. Il sera content. Voilà, allez, 100% les deux. On n'en parle plus. Oui. Oui. Alors, sur les deux duchés qu'ils ont, on va leur en retirer un. Lui, il est comte de ça, il serait... Hop, c'est parfait. Et il est aussi duc de Lothian. Et ben ça on va te le retirer, révoquer un titre, le duché de l'eau. Voilà. Et ça je vais pouvoir le donner à quelqu'un d'autre. Voilà. À toi. Ça c'est pour un. Ensuite, qui j'ai d'autre? J'ai elle. Elle est devenue incapable, elle va décéder, ça c'est sûr. Ben, il faut que j'enlève le duché de Warwick, puisque c'est... Voilà. Donc, c'est la seule chose qu'elle a. Voilà, comme ça, lui ne le récupérera pas. Il récupérera tout le reste, mais pas ça. Donc, le duché de Warwick, il est là, deux jours c'est ça, parfait. Reste à savoir à qui je le donne. Terrible, hein. Sûrement pas à toi. Bon, on va le donner à lui, écoutez. Je crois qu'il n'a pas d'héritier, lui. Qu'il y aura un héritier, c'est mieux. Bah, toi. Allez, on va accorder un titre. Warwick. Inclure tout. Voilà. Voilà, compte. Voilà, duc, pardon. Il faut que je ferme toutes mes armées. Pouvoir. Déclarer la guerre, appuyer toutes les revendications. Et on est parti. Alors ce qu'on va faire. Tout ça là. Tout ça non. Voilà, ça fait tellement d'armées à enlever tout ça. Tout ça, miette. J'espère que j'en ai pas oublié.
Là, c'est l'impression que ça a un peu rééclaté, hein. Allez, on va sur eux. Écrasé. Et ben voilà, on a notre fils. Voilà. Et... Robert. On va séparer l'armée en deux. Et puis on va faire les sièges, hein. Tac, tac. Vendôme qui est encore à lui, quoi. Mais putain, mais eux, sans déconner, ça vaudrait presque le coup d'enlever un truc comme ça, quoi. C'est... Je sais pas quel duché faudrait lui enlever. Ouais, c'est le duché d'Aquitaine en fait. Je vais le révoquer. Tant pis, je vais avoir des malus, mais j'en ai marre, quoi. J'en ai marre. Il est trop puissant, ton homme. Je dis ça, mais regardez, il a encore tout le reste. Hein. Là c'est pas grave, écoutez, ça en enlève un, et la prochaine fois je lui enlèverai l'autre, et à la fin, il sera tranquille, il sera tranquille. Le duché d'Aquitaine, voilà, de Jure, etc. Allez. Ça va pas plaire, hein, ça c'est sûr, je le sais déjà. Les aime pas, les autres n'ont plus de déclaration de guerre. Invoquer les titres de vassaux, titres usurpés, ouais. Ça passe pas trop. Mais écoutez, on est un empereur, hein. On va se faire un peu plaisir. On va le donner. Qui c'est qu'il y a là-dedans ? Ouais, putain, c'est compliqué. Ça, c'est le duché de Gascogne. Ouais, il fait beaucoup trop gros, quoi. Ça. Je recommence. Ouais, c'est tous ces gens là, donc encore ça va. Comtesse du Périgord qui est également l'héritière de Vendôme. Ah putain, c'est compliqué hein. Encore des gens qui vont cumuler des... Ouais je sais, vous allez peut-être me dire mais je me prends trop la tête hein. Et je pense que vous aurez raison. Mais bon... Les lunatiques, c'est pas grave, c'est pas... ça a jamais tué personne des lunatiques. Ouais, y'a que la Guyenne qui l'a pas, mais c'est pas grave. Lui, je vais te demander le partage salique dans son titre ou pas. Ouais, c'est déjà le cas, hein. Mais bon, c'est un gamin donc. Netto de Flandre. Où que j'en suis moi dans tout ça là. Allez. J'ai un vassal de trop. J'en ai même encore plus. J'ai hérité du royaume de Bretagne. Ah oui, ah non. Mais écoutez, le duc de Bretagne, il a tout ça. Trois comtés. Donc, on crée une vice-royauté. Royaume de Bretagne. Hop là! Donc je me serais pas trompé en lui donnant le titre de roi, lui, c'était pas roi qu'il fallait que je lui donne, c'était vice-roi. Oh putain, je me suis totalement planté. Aïe aïe aïe. Bon, remarquez, il reste en dessous de moi quand même, lui, hein, mais je me suis un peu planté, ouais. Je viens de m'en rendre compte. Trop de vassaux. Bon, ça recommence. Ouais, il va falloir que je regarde pourquoi.
va falloir que je regarde pourquoi j'ai trop de vassaux. Parce qu'avec tout ça, normalement, on devrait en avoir beaucoup moins. Mais peut-être que bon, voilà, hein, il y a encore... Ouais, bah genre lui, le comte de Brie, mais il a rien à faire sous moi, lui. Ouais, il faut que je transfère à lui. Même si, voilà, il y a trop de titres, mais c'est comme ça. Et puis je dois bien avoir d'autres, hein, comme ça, qui traînent. Technologie militaire. Il est souvent, on lui fait confiance. Ouais, bah, elle, oui, bien sûr, mais c'est parce que j'ai pas le choix pour le moment. Attendez, pourquoi lui il est sous moi? C'est quoi le côté de dernier? Duché de Lancastre. Je le donne ça. Même s'il est en prison et que je me saoule, mais c'est pas grave. Voilà. On rend à César ce qui appartient à César. Prince Gaillard. C'est un son moyen aussi, mais bon. Ça fait pas toujours tout, nous verrons bien. Chercher un traitement médical, est-ce que c'est une bonne idée? Au moins ça se passe bien, hein, mais bon, on peut le faire quand même. Ouais, on va faire ça. On va se fier à son savoir. On se sent pas comme d'habitude. On a une transformation mystique, on est devenu brave et zélé. C'est bien. On monte bien notre martial d'un coup. Flèche Hurlante, vous recevez un rapport sur les résultats d'expériences militaires que votre maréchal a vous a demandé de financer. Il semble qu'un nouveau type de flèche autopropulsée fondée sur des modèles de l'Extrême-Orient a été testé. Une fois enflammées, ces flèches ont produit le bruit d'un cri et ont laissé une traînée de fumée derrière elles, puis ont explosé à l'impact, tuant la majorité du bétail utilisé pour cible. Malgré une précision toute relative et une propension aux problèmes techniques, lors de ce temps pluvieux, ces expériences ont permis de tirer plusieurs leçons. On a gagné 50 points de puissance militaire. Cool ça. C'est cool. Ouais, le baron d'Argentan, si on peut essayer de le capturer. Pas réussi. Il a fait la bannière de la rébellion. C'est la bannière de la rébellion. Ouais. Ni chaud ni froid, hein, clairement. Comme ça, voilà. Un trépassé. Ouais, c'est un peu con que j'ai donné le titre du royaume d'Irlande, mais bon, après, pourquoi pas. Pourquoi pas donner des titres aussi. Mais vice-royauté, c'est peut-être mieux quand même. Hein. Ça permet de pas avoir de... Ouais, ben, je sais pas trop. Le conseil est insatisfait. Ils peuvent vraiment légèrement former et rejoindre des factions. Le duc d'Ambalan a forgé une alliance, d'accord. On va faire quelques hommes, on va faire un assaut, je crois. Voilà. Pac. Tac. Ouais, le pack défensif, hein, comme d'hab, parce qu'on est redevenu une menace. On peut créer le titre de petit royaume de plus gentil. Oh oui, ça. On va le faire. Il y a un duché, hein, du coup, bien sûr. Ces deux titres-là, je vais les donner. Alors, je vais pas
le donner à mes enfants, du coup. Je vais le donner à des gens de la cour. Accorder un titre, toi tu seras pour ça. Voilà. Et dans la foulée... Bah, c'est prêt quoi, on va lui donner les deux. Il sera comte de ça. Comte de ça. Et tu peux. Voilà, on va pas se prendre la tête à trop séparer. Tout ça lui appartient. Et c'est terminé, j'ai plus besoin de m'en charger. Alors après, on va proposer une vassalisation aux gens, mais on va voir. Trop de vassaux. Allez, ça recommence, toujours pareil. Hein. Lui c'est bon, on peut lui offrir la paix, hop, retirer un titre, la baronnie d'Argentan, que je m'empresse de redonner à quelqu'un, parce que j'en veux pas, un sale, basta, ça, c'est un peu le bordel, hein. On part en... Et William, tiens. Pourquoi je clique là ? Voilà. Voilà. Supplémentaire. Ah, écoutez, hein, tu es Bérold de compte de tes parents. D'ailleurs que le gars irlandais là il déclenche un peu des guerres parce que... Ah oui voilà là cette fois-ci ça montre bien les gens qui rejoignent. Une révolte paysanne contre moi. C'est eux là. Ah non c'est là. On va attendre un peu quand même. C'est pour groupe que voilà. Gérald, mon parent. Bah lui il est pas mal hein, quand même. Hein. Ah, il est vivace, parce que ça fait rêver. Un personnage un peu comme ça, ça fait plaisir. Ok. Ouais, je vais arrêter l'épisode là. Il est trop long celui-là, dites donc. Qu'est-ce que j'ai fait là? Wop, 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 wop. Je me vois plus passer quand je joue des fois. Eh ben écoutez, merci à tous de m'avoir suivi, je vous dis à dans deux jours pour la suite, on continue un petit peu à faire un peu de tri et faire des petites guerres, mais on est assez limité maintenant avec la menace, on peut pas trop se permettre. Donc voilà. En fait le réflexe que j'ai pas, que je voudrais faire, c'est quand je finis une guerre comme ça, c'est dans la foulée, j'enlève mes troupes, je mets en pause, je déclare l'autre guerre avant que la menace se fasse, et je pense que dans ce cas-là on doit pouvoir exploiter les pauses dans le jeu pour pouvoir lancer une deuxième guerre avant que ça se crée. Bon, j'ai jamais fait, hein, mais je pense que ça doit être jouable. Bon, par contre, la menace va se cumuler, hein, donc c'est une bonne et une mauvaise chose. Mais bon. Voilà, mais en tout cas, je vous laisse. Merci à tous de m'avoir suivi. Bye bye, et à dans deux jours. Portez-vous bien.